En traversant le Japon à vélo, je me suis découvert une passion. Depuis mon retour, je ressens le besoin de voir le monde. Mais cet été 2015, je me disais qu'avant de voir le monde, je devais voir mon propre pays. Cela peut sembler étrange pour plusieurs personnes, mais je suis Canadien. Mon pays est le deuxième plus grand du monde en termes de superficie. 9 093 507 km² de superficie terrestre. Imaginez, sur cette superficie, on peut étendre 1 699 339 774 terrains de football américains. C'est 153 866 fois plus grand que l'île de Manhattan, mais avec seulement 22 fois sa population. Comparé à la France, le Canada est 14 fois plus grand, mais compte à peine plus de la moitié de sa population. Le Canada est si peu peuplé pour sa superficie qu'il arrive 15e sur la liste des pays avec la densité la plus petite, avec seulement un peu moins de 3 personnes et demie par kilomètre carré. En 4 semaines, j'ai eu le temps de découvrir une toute petite partie de mon pays. Cette fois-ci, je n'avais rien prévu et je n'avais qu'un seul objectif, me rendre à Vancouver en passant par les capitales de chaque province. Je vis dans une petite ville près de Montréal nommée Granby. Près de 4700 km séparent ma ville natale de Vancouver par le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est l'autoroute transcanadienne. L'autoroute transcanadienne est l'une des plus grandes autoroutes nationales au monde. Elle traverse le pays d'un océan à l'autre et s'étend sur 7821 km. Bon matin Internet, aujourd'hui lundi 17 août. Je pars de Granby pour m'en aller vers Vancouver. En fait, je sais pas vraiment où est-ce que je m'en vais. J'ai pris 4 semaines de congé et je vais découvrir mon pays que j'ai jamais découvert. Donc, je pars avec mon auto, mon vélo, du linge. En arrière, c'est ma chambre avec des souliers pour faire un peu de tout. Oui, oui, vous avez bien compris. Ma chambre. Un réveil original ce matin. Je me fais réveiller par des hurlements de vaches. Il n'y a pas de chant. J'ai pas entendu de vaches la nuit. Ils sont dans un camion à côté. Plusieurs personnes pensent qu'il est dispendieux de s'aventurer dans le monde. Mais lorsque l'on réduit au minimum certains accommodements, tels que l'hébergement, qui est lui seul généralement l'aspect le plus coûteux d'un voyage, au contraire, voir le monde n'est pas si dispendieux. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai transféré tous mes bagages en avant du véhicule. Et en arrière, ben, je viens de dérouler mon matelas qui est en train de se gonfler tout seul. Donc ça, c'est ma chambre pour cette nuit. Pendant qu'il se gonfle, ben, je vais aller faire un petit tour aux toilettes. Et pensez-y. Après avoir dormi un mois entier dans la valise de ma voiture, comment pensez-vous que je me sentais à mon retour dans mon petit chez-moi? La meilleure façon d'apprécier le confort auquel on est habitué est de s'en priver pour un moment. On m'avait dit que les routes dans les champs, c'était plate. Mais la route dans le nord de l'Ontario, c'est plate en temps. J'espère que ça sera pas pire que ça dans les plaines. Ça fait 1h15 que je roule aujourd'hui. Hier, j'ai roulé toute la soirée là-dedans. C'est... y a rien. Y a rien. C'est vite. Y a ça. Avec des pancartes qu'on dirait qui datent des années 70. Tout ce qui est annoncé, on dirait que ça vient de 30 ans en arrière. Là, ça devient intéressant. Maintenant, puis environ pour les 700 prochains kilomètres, ben, je contourne le lac Supérieur. Je crois que la personne qui a nommé ces étendues d'eau les grands lacs ne les a jamais traversés, ni même longés. Ils ne sont pas grands. Ils ne sont même pas énormes. Ils sont gigantesques. Pour faire simple, c'est tellement grand que pour remplir ces lacs de terre, il faudrait déménager les Royaumes-Unis tout entiers. Et il resterait encore assez de place pour y accueillir l'Andorre, la République de Nauru et le Vatican.
Je vous disais plus tôt que ma chambre était la valise de ma voiture. Celle-ci n'est pas équipée de douche, ni de bain. Mais elle pouvait me reconduire à des bains beaucoup plus élégants que ceux que l'on retrouve dans les hôtels. Bon, OK. Ils ne sont pas équipés d'eau chaude, mais quand même. On peut pas tout avoir dans la vie. Verdict. C'est vraiment long de se rendre au lac supérieur. La route est plate. Mais une fois rendu, c'est vraiment... Ça vaut le détour. Plein de montagnes, plein d'arbres, plein de tournants, plein de belles vues sur le lac. Le lac qui a l'air d'une mer. C'est incroyable comment c'est grand. Ça fait des heures que je le longe. J'en ai pour toute la journée. Et probablement une partie de la journée de demain aussi. C'est immense. Je pense qu'il faut vraiment aller le longer en auto ou en vélo pour réaliser à quel point c'est grand. Je le regarde sa carte, je comprends pas. C'est vraiment immense. Au Manitoba, la distance entre la Transcanadienne Ouest et Est est tellement grande que les jonctions qu'ils mettent entre les deux, c'est des rues, puis ils ont même le droit à un nom. Ouais. Comment décrire le Manitoba depuis que je suis rentré dedans? Feuillu et droit. Très, très droit. C'est cool comme ville, Winnipeg. C'est propre. Tout le monde sourit. Tout le monde est zen. C'est vrai qu'il n'y a pas personne de stressé. Tout est relax. C'est beau. Les gens sourient. J'ai adoré cette ville. Tout est beau. Tout est propre. Les gens sont vraiment sympathiques. La piste cyclable de ville à Winnipeg, c'est vraiment ça coche. Allonge toute la rivière, tout le long. Ça fait quelques kilomètres que je suis dessus. Je vais peut-être aller voir dans la ville tantôt. Mais à date, c'est vraiment cool. Bon matin. On commence le jour 5. Je suis entre Winnipeg et Regina. Oh. C'est buvé. C'est peut-être pas je dormi ici. Après les champs de blé, les champs de guimauve. Je pensais que c'était fabriqué en usine, mais non. Ça vient du Manitoba. Dans une à deux minutes, je vais quitter le Manitoba. Je vais arriver en Saskatchewan. Alors, c'était pas large. Je vais l'avoir traversé en dedans de 24 heures. Je suis arrivé hier en début d'après-midi à peu près. Je vais le quitter ce matin, fin d'avant-midi. Pour en retenir, beaucoup de champs, une belle ville, des gens très sympathiques. J'ai bien aimé. C'est une belle province. Vraiment. C'est pas si pire comme elle l'avait dit, les plaines. C'est plat, là, mais c'est pas pire que la Montérégie. Je suis passé par la Transcanadienne du Nord et le territoire était unique. Plutôt que d'avoir des montagnes par-ci par-là, ce sont des trous que l'on voit. D'énormes creux dans le sol. Magnifique. Regina, comme Winnipeg, a aussi sa piste cyclable sur le bord de l'eau. Les gens sont aussi souriants. C'est pas trop gros. Ça a l'air d'être une belle ville aussi. Je vais aller voir le centre-ville tantôt. Je suis rendu en Alberta. Enfin! Génial. Ça s'en vient. C'est la frontière la moins bien définie que j'ai vue depuis le début.
La seule différence visible entre la Saskatchewan et l'Alberta, à la frontière, est qu'en Saskatchewan, les champs sont réservés exclusivement à l'agriculture et en Alberta, on ne voit que des champs de pétrole. Alors, je vais aller explorer Edmonton. Je me suis stationné loin de la ville, sur le bord d'une rivière, et j'ai remarqué qu'elle se rend jusqu'au centre-ville. Et je pense qu'il y a une petite lab jusque-là. Alors, ça devrait être la fin. À première vue, je dirais que c'est la plus belle ville que j'ai vue à date au Canada. Non seulement la ville est extrêmement propre et les gens vraiment sympathiques, mais les architectes de la ville ont fait un travail exemplaire. Les tours du centre-ville ont un aspect visuel très intéressant et se marient bien les uns les autres. Les espaces verts sont en abondance et remarquablement bien entretenus. Des chemins piétonniers en nature sillonnent le territoire du plein cœur de la ville jusqu'à la banlieue. Je ne suis pas resté très longtemps, mais Edmonton me semble un endroit où il fait bon vivre. Cette nuit, j'ai dormi dans un parc à Hinton. C'est tout près de Jasper. C'est d'ailleurs là que je m'en vais. Je vais être rendu là dans une heure. Quoique je vais aller probablement déjeuner avant. Et quand que je dis que je suis vraiment tout près, là. Comment décrire Jasper? Le territoire de Jasper est un parc national. On y retrouve tout plein de belles montagnes, de belles rivières, une faune sauvage, les plus beaux sentiers de vélo que j'ai vus à ce jour, des points de vue à couper le souffle. J'ai eu un énorme plaisir à m'y aventurer. Mais malheureusement, au Canada, un parc national n'est pas une réserve naturelle. C'est un milieu touristique très lucratif, bien équipé, où seul le gouvernement et des compagnies bien nanties qui, grâce à une enveloppe brune, se permettent de s'installer au beau milieu des plus beaux environnements, gâchant ainsi tout le paysage pour vendre des services, des activités, de la restauration à des prix complètement exorbitants, car ils ont réussi à empêcher la compétition de s'y installer, créant ainsi un monopole local. C'est aussi une énorme trappe à touristes dans laquelle on peut suivre des pancartes qui annoncent une source d'eau chaude naturelle sur plusieurs kilomètres, pour finalement aboutir dans une vulgaire piscine chauffée. Trappe à touristes. D'accord. C'est aussi un endroit où les touristes de partout autour du globe peuvent se procurer en souvenir du sirop d'érable de très piètre qualité dans une belle bouteille en forme de feuille d'érable, pour beaucoup plus cher que du vrai bon sirop. Vous pouvez aussi acheter des orignaux en peluche et des chemises à carreaux, comme si tous les Canadiens étaient des bûcherons et comme si tous les bûcherons portaient des chemises à carreaux. C'est la triste réalité à laquelle j'étais confronté toutes les fois que je revenais de ces magnifiques sentiers au milieu de la nature. Mais elle était vraiment très belle, cette nature. Je suis juste sur le bord d'une palissade. Ça veut dire que là, ça descend de, je dirais, au moins 500 mètres. Au moins. Ou faire attention de pas tomber. Selon la pancarte que j'ai vue tantôt, je devrais arriver au sommet de pyramide dans à peu près 600 mètres. Je pense qu'elle vaut pas cher. Je n'y suis resté que quelques jours car il y avait tellement de noms d'endroits dont j'avais tellement entendu parler tout autour de moi sur la carte. Et là a été la principale erreur que j'ai faite lors de ce voyage. Si vous planifiez visiter l'Ouest canadien, fuyez ces fameux noms que vous connaissez. Après Jasper, j'ai bien sûr visité le parc national de Banff. Et qui dit Banff, dit lac Louise. Oui, ce fameux lac Louise dont vous avez tant entendu parler. Ce lac aux couleurs turquoises entouré de montagnes. Un véritable coin de paradis. Et non. Ce que vous ne voyez jamais sur ces photos, c'est ce qui se cache en arrière-plan. Arc.
me suis alors dirigé vers un endroit moins connu suite à la recommandation d'un local. Et c'était une bonne idée. Kamloops est une vraie ville avec des vraies personnes qui n'a pas pour but de flouer tous les touristes qu'elle attire. Kamloops a une géographie assez particulière. Ça ressemble pas mal à ça. La roche, du sable, des petits buissons. Mais il y a des trails de vélo. Partout. De ce que je me suis fait dire, il s'agit de la capitale du vélo de montagne. C'est faux. Après y être passé, je peux dire qu'il s'agit plutôt du paradis du vélo de montagne. La ville entretient des centaines, voire des milliers de kilomètres de sentiers de vélo de montagne. Dans les bois, dans la ville, au beau milieu des champs, dans les montagnes, les sentiers sont simplement tout partout. Alors, ça a été un beau tour de vélo à Kamloops, encore aujourd'hui. Super, super belle ville de vélo, vraiment. Ensuite, j'avais l'intention de me rendre vers Vancouver, mais il fait toujours pas beau à Vancouver. Donc, hier, en m'emmenant à Kamloops, j'ai oublié de passer un endroit, Vallée d'Okanagan. Alors, je suis en direction de là, en ce moment. On va aller voir ce qu'il y a à faire là-bas. Ça a l'air que c'est vraiment beau. C'est ce qu'on va voir. En ce moment, je suis sur l'autoroute 5 en direction sud. C'est une grosse autoroute. La limite de vitesse est de 120 km/h et ça a trois voies pratiquement tout le long. Dans l'ouest du pays, j'ai remarqué que la vitesse sur les autoroutes est plus élevée que dans l'est. Cependant, les conducteurs respectent cette limite. Alors les gens roulent à la même vitesse. Dans pratiquement toute la région, les vents sont tellement forts que l'idée d'avoir des pancartes fixées, ils ont oublié ça. Ils les ont suspendues. Souvent, on les voit partir au vent. Ils flottent comme une feuille. J'imagine que s'ils seraient attachés, la pancarte tomberait. Il y a un ours qui vient de me traverser d'en face. Il a fallu que je freine pour pas le frapper. C'est comme aussi intelligent qu'un chevreuil. Ça attend sur le bord de la route et ça se garoche de ce. J'allais enfin atteindre mon objectif. Vancouver. Après tout ce que j'avais entendu à propos de cette ville, j'avais de très grandes attentes. Mais j'ai été vraiment déçu. Je n'ai même pas terminé ma première journée dans cette ville. Donc, je suis présentement dans la ville de Vancouver. Je prends mon vélo pour aller explorer la ville. Je me suis stationné sur la rue Québec. Et c'est d'ici que je pars pour m'en aller là-bas. On va voir ce que la ville a à faire découvrir. Alors, chez nous, une lumière verte qui flash. Est-ce que je me souviens, ça veut dire qu'on a priorité partout. On peut tourner partout. Je sais pas ce que ça veut dire ici, parce que ça flash vert des deux bords. Bizarre. Ouais, ben j'ai essayé de trouver de quoi d'intéressant à cette ville-là, puis je suis pas capable. C'est laid, c'est gris, les gens sont malheureux. Ça se crie après entre chauffeurs ou chauffards.
C'est sale, ça pue par bout. C'est pas entretenu. J'ai essayé de trouver du positif dans cette ville-là, puis... Non, j'en ai pas trouvé. Donc là, je suis en direction de Squamish, un petit village dans les montagnes, entre Vancouver et Whistler. Whistler qui va être ma deuxième destination. Donc je retourne m'amuser dans les montagnes. Avec moins de monde et plus de trucs le fun à faire. Ah ouais, je m'en vais par là. J'étais maintenant en route vers la ville que j'ai le plus appréciée dans l'Ouest canadien. Squamish est sans aucun doute l'endroit où l'on peut faire le plus de types d'activités de plein air au même endroit. Et j'en ai profité. Rafting, bungee, vélo de montagne, piloter un avion. Et ce que j'ai adoré de cet endroit, c'est que la plupart des activités sont pratiquées par les gens du coin. Ce ne sont pas des pièges à touristes, pour la plupart. Dernier jour au Canada. Avant de partir, je vais redescendre par les États-Unis. Mais avant, skydiving. Je devrais prendre un avion dans quelques minutes. On va aller dans les airs et sauter. Ça va être génial. Je suis en train de me préparer à sauter. Il n'y aura pas de vidéo malheureusement parce qu'on ne peut pas amener de caméra dans l'avion. Alors, ça va quand même être le fun. Je vais en profiter puis vous le verrez pas. Malheureusement, je n'ai pas pu ramener d'image de ce saut. J'aurais pu payer une somme astronomique pour mettre une GoPro identique à la mienne sur le casque de la personne avec qui j'ai sauté, mais ils ne pouvaient pas sauter avec la mienne, car c'était trop dangereux selon eux. C'était vraiment une belle expérience. On a sauté à 10 000 pieds, on a tombé pendant 40 secondes, d'une longueur de 5 000 pieds, on a ouvert le parachute, mais on s'est laissé tomber jusqu'au sol. C'était incroyable. C'est une expérience que je vais sûrement refaire. C'est moins intense que le bungee parce qu'on ne voit pas le sol approcher à toute vitesse. On saute de l'avion, puis c'est quand même... C'est intense, là, mais c'est plus relax que le bungee. Puis on a le temps d'observer tout le paysage. Quand le parachute ouvre, ben, on voit très bien alentour. C'était vraiment une belle expérience. Alors ainsi s'achevait mon voyage au Canada. J'allais ensuite revenir par les États-Unis, mais je suis revenu assez rapidement. Je n'ai pas vraiment visité. Alors ce que je retiens du Canada, c'est que c'est un très beau pays où je me suis senti en sécurité d'un bout à l'autre, parsemé d'endroits tous plus beaux les uns que les autres. C'est un grand pays où il fait bon vivre, où l'on peut manger une grande variété de produits. C'est une chance que nous avons au Canada d'avoir un peuple aussi multiculturel. Les immigrants amènent avec eux les mets chez eux, et cela nous donne l'opportunité d'avoir un régime très varié et de manger tout ce qui se fait de mieux de tous les coins du monde. Mon seul regret a été d'avoir été attiré par les non-connus.
Si vous venez qu'à visiter l'Ouest canadien, fuyez les noms dont vous avez déjà entendu parler. Ces endroits sont des pièges à touristes dont toute la beauté a été tachée par des installations touristiques qui ne voudront rien d'autre que siphonner votre portefeuille et gâcher vos vacances. Sans blague, je ne veux pas entrer dans des détails, mais plusieurs entreprises ont tenté de me flouer de plusieurs façons. Je ne me suis pas fait avoir car je suis très alerte sur ce genre de choses, mais j'imagine des familles venues de loin pour voir le fameux Ouest canadien se faire prendre dans ses pièges. C'est très frustrant. Ces gens se rappelleront des Canadiens comme des voleurs malhonnêtes simplement parce que quelques compagnies se donnent un malin plaisir à les arnaquer pour s'enrichir davantage. Et c'est encore plus frustrant de savoir qu'ils continueront à faire fortune longtemps car leur clientèle vient de loin et n'ont pas l'opportunité de ternir leur réputation. Pour moi, c'est malheureusement la première chose à laquelle je pense lorsque l'on me demande mon avis sur mon voyage dans mon beau et grand pays.